voyez la série. Ça développe ici en Nouakchott, avec les chiens. Surtout les huskies, il y a un grand développement. On les voit dans la ville partout, de jour en jour avec les gens. Ça se voit partout. Bon, je pensais qu'il devait avoir des problèmes avec la chaleur, mais ce n'est pas le cas. Il s'adapte bien, il s'adapte bien. Je l'ai eu pendant l'été et l'hiver. Et pendant l'été, j'ai appris qu'ils ont un pelage. Et pour l'été, pendant l'été, l'hiver aussi, ils ont un pelage pour l'hiver. Donc j'ai pu comparer les deux. J'ai su que les huskies peuvent survivre aussi. Non, ne sortez pas. Non, 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 on ne sort pas. Non. On tarde. Il faut beaucoup d'attention, les mettre dans des conditions, au moins des conditions adéquates pour eux. Par exemple, leur fabriquer des cages, même si les cages sont en fer, essayer de mettre la toiture en bois pour éviter la chaleur. Et elles boivent entre 4-5 litres par jour, donc il faut les hydrater et faire très attention à qu'ils ne manquent pas d'eau. Elles ne sont pas faites pour n'importe qui. Tu l'as amené à l'école, tu l'as amené à faire du volet. Et puis, moi, commencé l'élevage.